Réagir, donc s'adapter et prendre les bonnes décisions, c'est des mots que j'ai notés. Et c'est exactement ce dont il va s'agir lors de cette première table ronde qui va interroger l'agilité. L'avantage, c'est que l'ambition, pour le coup, elle est très claire. L'ambition de, de, de l'UDCAM et même de toutes les parties prenantes que vous allez entendre, c'est de retrouver cette agilité. De la retrouver notamment par la flexibilité du processus d'achat. Et donc à partir de là, il reste à interroger les décisions qui sont à prendre, simplifier, automatiser les process, réduire les délais, s'outiller, revoir les CGV. Autant de de points qui sont déjà sur la to-do list des médias historiques à l'instar des nouveaux acteurs, il faut encore s'interroger sur la façon dont il faut prendre les choses et euh, ces questions euh, ce sera celle que vont poser Nicolas James qui est le rédacteur en chef de Minted au panel, alors Nicolas tu seras un peu le, le facilitateur finalement, pas forcément le leader mais en tout cas le facilitateur de cette conversation et j'invite à te rejoindre sur scène Sylvia Tassantofola directrice générale de TF1 Pub Marie-Renoir Couteau, présidente de la Gardère Publicité News et vice-présidente du bureau de la radio, Luc Vignon DGA en charge de la transformation digitale de 366 Philippe Boutron, coordinateur Média France de Stellantis. Et pour le Collège Agence, Julien Dominguez, head of trading, bonjour à tous, de Den Souffrance et Anne Tétier, que vous connaissez déjà. Je vous laisse avec une feuille de route tout à fait ambitieuse et je vous souhaite une bonne conversation. Merci Charlotte et bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Nicolas James, le rédacteur en chef de, de MeToo, un média spécialisé sur la, sur la publicité digitale et la technologie. J'ai le plaisir d'animer cette, cette première table ronde. Euh, Charlotte l'a rappelé, effectivement, le sujet du jour, c'est l'agilité. Euh, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir comment des, des médias historiques comme la télé, euh, le print et la radio, justement, se sont... Euh, habitué et euh, adapté aux nouvelles exigences euh, des agences médias et euh, des annonceurs. Euh, Marie Renoir Couton va commencer par par vous. Euh, je vous enjoins à prendre le petit micro qui est devant vous. Euh, ma première question, c'est justement comment est-ce que le, le secteur de la radio et euh, plus particulièrement euh, la Gardère Publicité News, la Gardère News Publicité, s'est adapté euh, à ces nouvelles exigences euh, des, euh, des acheteurs médias en matière d'automatisation, de flexibilité au cours de ces dernières années En fait, ce qu'on a compris assez vite, notamment euh, dès 2009, qui a été un, un début de crise déjà, c'est qu'en fait, le facteur temps était un facteur clé de succès. C'est-à-dire qu'on a très vite compris que euh, dès que la, la situation se tendait un petit peu, la capacité qu'on avait à répondre présent en un temps très rapide de mobilisation et de la bonne manière était un, un facteur d'adaptation prioritaire sur nos marchés. Après, dans les outils qui ont été euh, déployés, on travaille beaucoup avec l'EDI, qui est un, en fait, un, un outil de transmission de données de poste à poste, qui fait que ça, euh, ça, ça accentue évidemment euh, l'agilité du média. Euh, après, la radio, dans ce qu'elle a de particulier, c'est qu'en fait, euh, les commandes sont très précises, les retours sont très précis. Très précis, ça veut dire qu'on nous commande des horaires associés à des performances et qu'on va renvoyer des horaires associés à d'autres performances. Euh, dans des euh, délais qui sont très courts, puisque là aussi, je pense que c'est peut-être une des spécificités euh, un, un, intrinsèques aux médias, on, on est sur du euh, J-10, J-1 semaine euh, pour justement aller au, au bout d'une campagne. C'est en, en temps normal et on peut même aller à des délais encore plus resserrés. Oui, alors c'est ce qu'on f... c'est pas idéal, oui. puisque bien évidemment, et pour nos partenaires agences, et pour les clients, et pour nous, la visibilité, euh, elle est clé. En revanche, dès lors que ça se tend, on est en capacité d'aller sur des délais extrêmement courts. Et puis après, je, je crois que le, le grand enseignement euh, actuel, c'est qu'on parle beaucoup d'automatisation, ce qui est certainement souhaitable, mais qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui fait que ça marche bien, que ça marche mieux. Là aussi, les équipes de planification, c'est des équipes pour, le qui, pour qui le, le travail n'est pas forcément simple, qui sont soumises à de fortes pressions, tout comme le sont de l'autre côté les agences. Qui fait qu'en fait, la bonne communication entre les différentes équipes et la bonne connaissance des enjeux mutuels, bah, elle est au cœur en fait, du, du débat et du quotidien des équipes. C'est euh, la capacité à bien comprendre Abris, à, à bien l'intégrer, pour le restituer de la meilleure manière possible, en ménageant les intérêts des, 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 des deux parties, c'est-à-dire le média, euh, dont l'intérêt est d'optimiser son stock publicitaire, notamment pour la radio, puisque 100% de ses revenus. C'est la pub, hein. Il y a... donc c'est absolument primordial, c'est de la survie. Et puis, satisfaire au mieux eh ben, les, les commandes de nos clients via nos partenaires agences. Euh, voilà, donc c'est ce, ce doux équilibre. Par rapport à cet objectif que vous rappelez, côté média, il y a, il y a, parce qu'on, c'est un des sujets de la table ronde, c'est de comparer par rapport aux acteurs du digital, euh, tous les acteurs présents ici ont quand même une problématique, c'est votre inventaire, d'une part, il est, il est limité, il n'est pas extensible à souhait, et donc en réalité, euh, par rapport à cette contrainte qui est la flexibilité, si euh, vous avez une annulation de dernière minute, c'est souvent compliqué euh, de, de, de monétiser ce, cet inventaire qui est perdu, et ça c'est une problématique que n'ont pas les acteurs du digital. Exactement. Euh, on, on est sur euh, une approche euh, euh, finie, euh, ce qui fait que toute la notion de gaspillage, qui peut nous être familière en ces temps, euh, temps actuels, elle, elle est très importante à intégrer. Ce qui fait que l'annulation dans des délais très courts, c'est perdu, c'est en tout cas perdu pour nous. Donc, on a tout intérêt vis-à-vis -vis de nos partenaires à être les plus agiles possible, avec le respect bah, de nos contraintes à nous. Qui font que on est la derni... on est sur ce sujet-là, on est le dernier maillon. Donc euh, là aussi, l'idée de responsabilité, elle est importante. Luc, je pense que la, la presse papier, c'est un, un bon exemple aussi de médias qui a des contraintes de, de fabrication euh, euh, assez dingues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, justement, vous vous adaptez avec vos contraintes qui sont la fabrication en une nuit d'une édition papier pour 56 quotidiens, si je ne dis pas de bêtises, pour, 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 pour 366 euh, comment 55, pardon 55. J'en ai rajouté un. Oui, oui la difficulté, effectivement, c'est de savoir produire de façon industrielle 3,5 millions d'exemplaires de journaux sur tout le territoire. La fabrication commence à 23h et la promesse au consommateur, au lecteur, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette promesse-là qui est la promesse essentielle, <laughs> c'est d'avoir son journal livré chez lui avant 7h du matin. Donc entre 23h et 7h, il y a tout le processus de fabrication et de distribution pour 3,5 millions d'exemplaires avant 7h du matin. On est à J-8 pour réserver le papier, quel est le chemin de fer, tout ça, tout ça, euh, normalement. Euh, et, et nous, on descend jusqu'à J-3, J-2. Et dans des cas un peu exceptionnels, de crise par exemple, on peut reprendre l'exemple qui est donné là, le lien de confiance, là, est fondamental, bien sûr, mais dans des cas un peu spéciaux, on est à J-1. C'est-à-dire que si vous nous confirmez... Avant midi et 10h, là, nous confirmer la parution. J-1, en fait, c'est demain matin. Le daté de demain, euh, à 7h, il sera chez l'ensemble de nos, de nos lecteurs, euh, ou dans les kiosques. Et à 13h, vous aurez, l'annonceur aura un lien cliquable sur lequel il aura un justificatif de toutes les parutions à disposition. Voilà. Donc on est dans l'agilité extrême, l'efficacité la plus forte que l'on puisse avoir. Euh, avec une intégration très forte, ce que j'ai aimé dans le, là où on se compare volontiers sur ce qui a été exprimé tout à l'heure dans la montagne, c'est cette notion d'intégration. De, de, pourquoi est-ce qu'on sait faire ça Parce que c'est parfaitement intégré dans l'ensemble des processus de fabrication. On est très proche de nos éditeurs, on appartient à nos éditeurs d'ailleurs à tel point. La maîtrise est là, la maîtrise technique, la maîtrise euh, au sens de la relation de confiance avec le donneur d'ordre, l'agence, l'annonceur, la proximité. Euh, la connaissance de ce lien est fondamentale parce que là, on ne peut pas se planter, on peut pas avoir une page blanche pour 3,5 millions d'exemplaires, ça n'arrive pas, C'est pas possible. Le temps que si je ne dis pas de bêtises, en plus, c'est hyper hétérogène, autant en télé, finalement, on a une notion de spot qui se retrouve de, 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 auprès de chaque chaîne, en print, on a, on a, est-ce qu'on a vraiment l'équivalent standard de l'IAB avec le 300 par 250 hyper... Chacun Alors, fait un peu sa sauce ou Le standard, c'est la taille du journal Déjà. Ça c'est assez commun on va dire ou d'une demi- page de la moitié de la taille du journal. Chez nous ça correspond à 15 formats différents. mais tout ça est connu et maîtrisé. c'est à dire que nos amis des agences de création savent que la mise au format de on a besoin de 15 formats pour les 55 journaux. La mise au format se fait et la création d'une page de publicité, on l'a vu sur les deux dernières années dans les communications de crise, c'est en une journée, deux jours. Dans ces cas- là, je regarde Philippe, mais ça peut se faire au niveau de la création publicitaire. Et après, la remise au format se fait. Tout ça est parfaitement connu, parfaitement maîtrisé sur l'ensemble de la chaîne, dans un lien de confiance, sur des process rodés, 1000 dates par an, nous, 55 000 donc, euh, euh, actions d'envoi d'une création publicitaire sur tous nos journaux. En fait, ça fonctionne, c'est des process industriels lourds, complexes, mais qui sont parfaitement rodés, parfaitement intégrés, et parfaitement maîtrisés par des professionnels de la fabrication et de la logistique, donc ça fonctionne. En fait. Philippe, vous êtes l'annonceur, forcément votre parole est écoutée, parole d'Évangile. Est-ce que vous voyez que justement les médias traditionnels ont, 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 ont beaucoup fait évoluer On parle beaucoup du Covid. Il y a eu un avant-après sur cette notion de, de flexibilité et d'adaptation aux enjeux des, des acheteurs Alors oui, il y a eu un avant-après pour... euh, en rappelant que l'avant-après a aussi troublé le monde industriel et commercial que la publicité est la conséquence de ce qui nous est arrivé à tous. Je pense qu'on a tous vécu, un, l'arrêt instantané du Covid, avec enfin, la, de, du commerce, fermeture intégrale des commerces. Donc il est évident que les boutiques étant fermées, il n'y a pas de sens de faire de la publicité pour faire venir des gens dans nos boutiques. Alors je parle boutique pour dire concession, mais je pense là en tant qu'annonceur à toutes les formes de commerce possibles. Et, euh, et on rajoute quelques mois plus tard une, une crise, euh, un conflit euh, armé en, entre des, 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 dans des zones où on a des fortes capacités industrielles qui servent toute l'Europe, euh, autant alimentaire qu'industriel euh, du monde de l'automobile. Et là, l'agilité c'est pas un vain mot. Ça veut dire qu'il faut arrêter des usines instantanément et les faire repartir avec dans d'autres conditions à des coûts différents, avec des problèmes énergétiques. Donc, là, cette, cette notion d'agilité euh, est, est un signe permanent d'adaptation. De, Avec deux éléments essentiels à, 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 à mes yeux, euh, enfin, à nos yeux globalement, c'est dans la prise de décision, et je pense que je pourrais euh, devenir militaire et paraphraser le commandant du, du, du peloton de montagne. Euh, la donnée, trois éléments fondamentaux pour nous pour prendre des bonnes décisions euh, la fiabilité de la donnée. Donc, est-ce qu'on a suffisamment de données On parlait de données météo tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a suffisamment de données Sont-elles sont -elles fiables Sont-elles pérennes Sont-elles robustes Et on voit aujourd'hui dans notre, dans notre monde de, des médias que l'on a des fois des problèmes, des trous ou des problèmes de stabilité, de pérennité de données. Tout le monde y travaille, on essaye bien entendu euh, de, de les stabiliser. Et je, passe, je pense autant aux données d'audience de certains médias, euh, je pense autant aux données de pige de certains marchés. Euh, ou de euh, d'autres médias, et aussi de données euh, simplement comportementales de nos clients, de nos prospects, de, nos, de, nos, de, nos, de l'ensemble de de, de, des gens à qui on veut adresser cette lucidité. Deuxième point, c'est euh, les éléments de formation au, au sens large. Euh, qui va analyser cette donnée Qu'est-ce qu'on va en faire Pour prendre quelles décisions Et là, aujourd'hui, on se rend compte à la fois dans les agences, mais aussi beaucoup chez les annonceurs, on a quand même des soucis de capacité d'analyse sur ces données. Et euh, alors On peut dire des web analystes, on a un problème de compétences ou même de formation, un problème de, de nombre de personnes que l'on peut embaucher dans, de, dans différents métiers. Et là, il euh, y a peut-être une réflexion globale de l'interprofession à se dire, est-ce qu'on a mis en place les suffisamment bonnes formations pour demain, pour répondre à l'ensemble de ces besoins Et le dernier point, enfin, un des derniers points, ce serait la définition des objectifs. Alors, tout à l'heure a été évoqué le le mot de productivité, mais la productivité est la conséquence quand même d'un marché qui est en forte évolution, euh, avec des ruptures, avec des besoins financiers importants. Mais le point essentiel, c'est de garder des objectifs euh, clairs qu'on partage. Et là, effectivement, ce consensus est, est apporté. Nous, notre objectif en tant qu'annonceur, c'est bien entendu de faire du chiffre d'affaires en vendant nos services et nos produits. Et on voit dans l'automobile, d'ailleurs, qu'on va vendre de plus en plus de services plutôt que des... produits automobiles. Et là, les, les tournants se, se font de manière assez radicale. Vous allez voir dans quelques mois, quelques années, des, une évolution totalement euh, révolutionnaire presque de la manière dont on va consommer la mobilité. Et là, il faut qu'on s'y prépare. Et donc, quels objectifs on se fixe en termes de moyens humains et de moyens publicitaires Les KPIs, les fameux KPIs, partageons-les, euh, arrêtons de l'en changer tous les matins. Et cette agilité ne doit pas empêcher une certaine robustesse, une certaine stabilité de ces objectifs. Une question pour vous, Sylvia. Euh, du coup, vous êtes le, le troisième média qui est, qui est présent. Vous me disiez par rapport à ce sujet de, de l'agilité et de la flexibilité, euh, qu'aujourd'hui, justement, TF1 Pub avait entamé, enfin avait finalisé sa, sa mue digitale. Euh, Aujourd'hui, vous raisonnez en, en totale vidéo, vous n'opposez plus le média traditionnel qui est la télé avec le digital. Est-ce que vous nous expliquez comment justement vous vous adaptez à ce nouveau paradigme Oui, en effet, en fait, moi je considère qu'il n'y a pas euh, opposition entre euh, médias historiques euh, et... Euh, plateforme dans le sens où en tant que média on doit être au même niveau à essayer d'y tendre parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens en termes de serviciel et de transactionnel et ça fait maintenant de nombreuses années euh, en ce qui concerne la télé ça date de 2016 où on a créé euh, donc on a commencé nous à créer une plateforme d'achat d'ailleurs on a été suivi par les autres acteurs du marché donc c'est pas tf 1 seul c'est le marché de la télévision qui a pris conscience qu'il était important d'upgrader la proposition service et transactionnelle, gagner du temps euh, par rapport à ça. Euh, et aujourd'hui, la Box, qui est notre plateforme, euh, on a 140 agences qui sont référencées, 290 acheteurs au quotidien, 60 000 transactions par an. L'autre point, euh, c'est aussi de se dire comment effectivement, par rapport à cette digitalisation, au-delà des usages, au-delà des euh, modèles économiques, euh, elle est effectivement dans notre quotidien à tous. Donc comment, au niveau euh, de l'interprofession, on a la capacité à aussi trouver des solutions Et il y a deux, euh, deux sujets sur lesquels on peut être fiers, euh, MyManda et MyDiff, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais qui sont euh, de l'intelligence collective, euh, en, en passant effectivement à cette démarche de l'EDI, pour se dire, voilà, on va centraliser en un même point les mandats, les ID de créa, etc., pour là encore apporter de la simplification. L'autre point, c'est la notion de, de mode d'achat. Et euh, le programmatique aujourd'hui, il est en radio, il est euh, évidemment euh, en presse, il est euh, en digital, euh, en affichage, il est évidemment en télévision. Euh, et nous, euh, on a développé une proposition programmatique depuis plusieurs années, là encore, pour euh, s'adapter euh, à cette donne de mode d'achat euh, qui garantit effectivement une logique de temps réel, de flexibilité, d'attabilité, etc. Le, 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 le dernier point important, c'est qu'on a dû aussi... Euh, changer nos organisations et, et s'adapter. Donc, là aussi, on a tous euh, décidé de se dire ben voilà, par rapport à cette notion de, de digitalisation et de proposition holistique, on doit revoir euh, notre proposition en termes d'organisation pour avoir euh, des one-stop-shop, des points d'entrée communs, la formation. Je pense qu'on a tous, et les uns et les autres, énormément investi dans la formation. Et puis, bien sûr, dans le marketing de l'offre. Euh, et comment cette euh, proposition de valeur Total Vidéo, Total Audio ou Total Publishing ou euh, Total DOH, euh, demain, euh, effectivement, on a la capacité de l'opérer. Euh, et nous, on a créé un produit qui s'appelle le MPI Bridge. Pareil, là, je ne vais pas le détailler, ce n'est pas l'idée de ce matin, mais c'est un produit de convergence, industrielle automatisé, euh, travaillé avec un tiers qui s'appelle Médiamétrie. Et dernier mot parce que c'est important, c'est toujours un peu ce que j'essaie de défendre. Je reviens d'un voyage aux US où j'ai vu un certain nombre de, de broadcasters. Euh, on dit toujours les US sont toujours super en avance, sont toujours super forts, etc. Alors, ils ont plein de plein de qualités. Mais je tenais à dire ce matin dans cette assemblée que le marché français n'est pas en retard et les médias. Alors j'aime pas le mot historique, mais les médias. Nous sommes des médias, euh, ne sont pas en retard dans le serviciel, dans le transactionnel. Dans par exemple le poids de programmatique, les broadcasters aux US sont à 15 de programmatique, on est à 30 euh, La télévision segmentée, on est le seul pays au monde à l'avoir sorti, multi opérateur multi euh, multi-multi-régie, et ça marche, euh, alors que les autres ils sont allés en, en mode décalé. Donc voilà. Donc je voudrais aussi redire que c'est compliqué partout. Euh, la disruption digitale, elle est partout. La disruption des modèles, elle est partout. Mais le marché français et la, et la capacité de réactivité et de compréhension de cette complexité, euh, on essaye avec beaucoup d'humilité et on a conscience que rien n'est parfait et tout n'est pas parfait. Mais on essaye d'y répondre pas à pas avec nos moyens. Euh, une question pour vous, Julien. Euh, du coup, on a vu des médias qui font des efforts pour aller vers de la flexibilité et de l'agilité. Euh, quelle, quelle note vous donneriez aux médias traditionnels sur ce volet de, de, la, de la gestion de la productivité C'est une manière juste de, de vous lancer en fait. Est-ce que vous, glo, globalement votre, votre, votre quotidien euh, s'est retrouvé grandement facilité Je ne vais pas rentrer dans le débat de la note. Ou vous observez des frictions euh, Sinon, je vais quitter cette, euh, <laughs> cet événement juste après. Euh, Ouais, mais je ouais, ne bon, vais pas rentrer voilà, dans quelque chose de quantitatif. D'ailleurs, je veux sortir un peu du quantitatif parfois. Euh, non, mais globalement, ce, que, ce, qui, ce qui est assez intéressant, et on l'a vu là, c'est que je pense que l'agilité euh, est quelque chose qu'on qu a tous subi quelque part. On a dû devenir agile. Euh, et ce qu'il faut quand même, parce qu'on a toujours un regard un peu parfois négatif sur nous-mêmes tous ensemble, mais il faut quand même accepter, ou en tout cas admettre qu'on a tous réussi à relever des challenges. En quelques années, qui sont quand même assez incroyables. Et quel que soit l'acteur le, de l'écosystème, que ça soit le média, que ce soit les agences, que ce soit bien sûr les annonceurs pour d'autres raisons. Après, ce qui a de, de flagrant et on l'a vu là, euh, typiquement, je pense, c'est que les enjeux et les contraintes de chaque média euh, ne sont pas les mêmes. Euh, nous, en tant qu'agence, je, je pense qu'on a de nombreux rôles bien sûr qui sont demandés, mais l'un de, de notre rôle aujourd'hui, c'est finalement de simplifier cette complexité. C'est ce qui est demandé aujourd'hui par nos annonceurs. Et donc pour répondre à ça, euh, moi je vais partir d'un constat assez simple en fait, parce qu'on re, pour revenir sur le sujet du trading. Parce que le trading, on a souvent tendance à dire le trading, c'est finalement c'est l'acte d'achat, c'est la négociation, c'est le coup. Mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la, de la chaîne qui est relative au trading. Et acheter une campagne aujourd'hui, ce n'est pas simplement euh, réserver cette campagne. C'est un ensemble d'éléments. Tu en as parlé un peu Sylvia sur MyManda, etc. Mais une partie administrative, une partie recommandation, je ne vais pas toutes les faire, hein, parce qu'on pourrait y passer un petit moment, euh, mais jusqu'à la mesure de la productivité, je vais parler de la facturation, parce que je sais que ça peut être un sujet qui peut être intéressant, mais c'est l'ensemble de ces sujets. Et aujourd'hui, le constat que je peux faire avec l'ensemble des efforts qui ont été faits par l'ensemble de l'écosystème, y compris les médias, parce qu'il y en a réellement, euh, c'est que quand on fait le constat, c'est selon le média, selon euh, l'acteur le, le, de cet écosystème finalement, on se rend compte que sur cette chaîne de construction d'une campagne, l'action à mener pour gagner en souplesse ou en efficacité n'est pas forcément homogène. Si on compare les médias, ce n'est pas forcément sur le même euh, chaînon qu'on doit agir. Et donc nous, aujourd'hui, en tant qu'agence, qu euh, c'est savoir reconnaître ce qui a été fait, ça c'est le premier constat, et aujourd'hui je pense qu'on on est, on est tous là pour le connaître, mais c'est aussi admettre individuellement et collectivement euh, qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir et de savoir prioriser finalement quelles sont les actions à mener, quel que soit selon le média auquel on s'adresse. Si on regarde par exemple le, le sujet de la, la télévision, qui, qui est quand même un média, il faut reconnaître, assez complexe à acheter, euh, c'est quoi aujourd'hui justement On a vu qu'il y a eu des énormément d'efforts qui ont été faits sur le bout de chaîne, c'est plus sur l'amont où il y a beaucoup de complexité aujourd'hui quand on gère une campagne à télé Oui, alors déjà j'ai évité la, la note, hein, vous avez remarqué. Euh, Bien joué. Euh, Oui, pour revenir sur euh, plus spécifiquement sur la télé, ce qu'on qu qu va regarder euh, sur euh, finalement ce qu'on appelle, alors c'est pas péjoratif, mais ce bout de chaîne euh, effectivement qui est. Euh, euh, ben, L'agilité entre les contraintes d'un côté, parce qu'il y a un inventaire fini, de l'autre côté, parce qu'il y a des enjeux business côté annonceur aussi, c'est comment on arrive. Oui, cette bout de chaîne, je trouve qu'elle qu s'est nettement améliorée. Et on voit les efforts qui sont faits pour trouver ce consensus dans cette agilité. Euh, voilà, on est dans un monde où aujourd'hui, l'économie fait qu'on est avec des acteurs qui ont des enjeux économiques de chaque côté, y compris nous. Euh, maintenant, quand on regarde ces différentes phases, là où on a un véritable enjeu aujourd'hui, c'est la diversification des solutions. Tu a as parlé, Sylvia, c'est le One Video, c'est l'innovation, c'est comment on retrouve, non pas de la valeur purement financière, mais comment on redonne de la valeur aux médias et à ce fameux One Video. Moi, mon objectif, et je pense que c'est l'objectif de tout l'UDCAM et de l'ensemble du marché, c'est d'arriver à cette solution One Video. Sauf qu'aujourd'hui, le temps imparti est disponible sur, pour nos équipes, il est toujours sur une base 100. Donc comment on arrive finalement, euh, dans cette base 100, à gagner du temps sur certaines tâches pour pouvoir diversifier et faire progresser le média et là, le constat est, je vais peut-être passer la parole à Anne, sur ce temps, ce temps finalement consacré à la phase achat, dans l'ensemble des étapes dont je parlais tout à l'heure, cette phase achat aujourd'hui de construction d'une campagne, de suivi d'une campagne au regard des enjeux de productivité qui sera la discussion d'une prochaine table ronde, est devenue, finalement, on n'a pas gagné de temps quand on compare sur les dix dernières années. Aujourd'hui, factuellement, les acheteurs passent plus de temps à construire cette campagne plutôt finalement qu'à diversifier et à réfléchir sur d'autres solutions pour quelle raison Anne est-ce que du coup les acheteurs passent autant de temps si ce n'est plus qu'il y a 10 ans pour gérer une vague, une vague télé le cadre, le cadre qu'on doit donner en amont de la construction du campagne est très chronophage voilà, ça fait partie de, de maintes discussions discussion qu qu'on a eu avec surtout les différentes euh, régies télé euh, on vient de recevoir par exemple les CGV 2023 c'est près de 700 pages pour les régies seulement en télé entre CGV Conditions Commerciales, et euh, les régies radio viennent de publier leurs conditions euh, commerciales, et elles prennent le chemin de la télé. Donc euh, ça nous angoisse un peu, et peut-être que d'ailleurs les annonceurs ne savent euh, pas toute cette complexité de construction euh, d'une campagne, où aujourd'hui euh, les traders, euh, en tout cas euh, télé, euh, utilisent des moulinettes, alors attendez, j'ai pris des notes, une calculette de 925 lignes, 72 colonnes soit 66 000 cellules euh, à traiter pour construire le cadre de la campagne euh, et bien sûr qu'il euh, y a eu énormément d'efforts de fait et euh, suite à la crise sanitaire d'agilité de souplesse de compréhension et euh, effectivement et de, euh, vous nous avez beaucoup soutenu les régies mais toute cette phase amont on n'a pas réussi à, à craquer euh, la moindre simplicité et au contraire ça se complexifie euh, 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 voilà, d'année en année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi est-ce que du coup, vous avez... ça s'est complexifié Là, dans la salle, les gens se disent, mais euh, <laughs> comment elle s'en sort <laughs> non, pas, non, parce qu'en plus, en, en plus c'est la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que tes, tes, tes commerciaux ont le même problème que nous. Alors, attention, ma réponse peut peut-être heurter certaines personnes dans la salle et je m'en excuse. Et je vais faire un préambule, j'ai passé... 14 ans en agence, donc je sais ce que c'est. Euh, et je, il faut saluer, ce n'est pas de la flagornerie de ma part, l'engagement, la, 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 la pénibilité, le manque de reconnaissance, le manque de staffing, le manque de rémunération des équipes trading en agence, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Donc ça, c'est une réalité, et je l'ai éprouvée et vécue. Néanmoins. Merci. <laughs> Néanmoins. Anne, Julien. Chères agences, nous ne sommes pas, entre guillemets, la cause directe de cette complexité que je ne nie pas. Il s'agit d'une résultante, d'une résultante d'un problème de reconnaissance de la valeur. Et ça sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est finalement, vous nous dites, et je, je nomme personne et tout le monde le fait. Que mon budget y soit, que je représente pour mon annonceur, en baisse, en hausse, pareil, maintenant, quoi qu'il, il faut baisser. Il faut baisser les prix. Donc, si vous voulez, il y a un moment, et, et donc dans les appels d'offres, nous ne sommes pas consultés. Je n'apprends pas et je n'ai dit à personne qu'on a un petit problème de contractation de, contractation de stock parce qu'il y a l'évolution des usages et alinéaires, etc. Donc, on n'est pas consulté, etc. Et on nous demande, ben bah voilà, c'est comme ça. Et si ça ne va pas, ben bah, tu sais quoi, deuxième problème. Bon, on va aller chez Google, Meta, etc., parce que tu comprends, euh, eux, au moins, euh, voilà, ça a l'air plus simple, etc. Mais, sauf que nous aussi, on fait du digital. De nouveau, simplif... je ne vais pas simplifier à l'extrême, mais MyTF1, Sixplay, ils ont, en digital, une pression de 4 minutes par heure. Ils sont mesurés, ils ont de la data, ils ont des super programmes BrainSafe, et pendant ce temps-là, tout le monde sait sur Netflix, à 49 euros, ok, vous avez réussi à négocier à 40, en disant, trop génial, machin. je rappelle que le top conso de Netflix TT, c'est manifeste, qu'on a diffusé pendant deux ans sur TF1 en deuxième partie de soirée. Euh, moi, pour 49 euros, je n'aurais pas mis un parfum haut de gamme dans, dans, dans un sombre Naruto sur Netflix, et je n'aurais pas mis un acteur du Crédit Responsable dans une coupure de Jeffrey Dahmer pour 49 euros. Il m'aurait payé 10 euros, j'aurais l'aurais peut-être mis, mais je ne l'aurais pas fait. Donc, et tr troisième, troisième problème, c'est la symétrie réglementaire. Et il faut que les agences et que les annonceurs, parce que les, les donneurs d'ordre sont les annonceurs, hein, euh, effectivement reconnaissent que quand tu proposes un environnement brain safe, quand tu proposes un environnement, et de nouveau, qu'il soit en radio, qu'il soit en presse, qu'il soit en œuvre, ce n'est pas le sujet, quand tu proposes brain safe... Euh, contenu idétaisé, quand tu proposes de la data, quand tu proposes de la mesure par des tiers, etc., etc. ça a effectivement une valeur. Oui, mais Sylvia, le paradoxe, c'est que justement, on est attaché à ces euh, médias de contenu, de création de contenu. On veut que les traders s'attachent à être oui. à côté de programmes de oui. contenu. Et aujourd'hui ils ne font que des moulinettes Excel. Mais j'entends, mais pourquoi parce la que... Pourquoi parce la complexité, on... ça va avec le mais prix C'est un très bon point, Anne, et c'est bien de crever l'abcès ce matin, c'est que, pourquoi Parce qu'on a un réflexe de défense. On a un réflexe de défense pour se dire, si on n'arrive que... pas, effectivement, à trouver... Je, je ne nie pas la complexité. Je ne vais pas être langue de bois, je ne mmh. la nie pas. Mais néanmoins... Il n'y a que la complexité pour, pour arriver, défendre la bah, bah, valeur. Quand, oui. quand, effectivement, on fait des modules, alors pour tout le monde, c'est effectivement... Bah, voilà. Donc moi... Sur une base sans, je vais démarrer mon année, il y a eu des compètes, il y a eu des, 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 des stratégies, etc. Et je vous dis, l'année prochaine, on va nous dire quoi qu'il, c'est entre moins 10 et moins 15%. Bon, comment je m'en sors bah, Comment je m'en sors bah, Effectivement, on a créé un système qui s'appelle les modulos et qui, en cours d'année, mais attention, pas de manière arbitraire, en fonction d'un rapport tension, offre-demande. Donc euh, voilà, euh, si jamais, effectivement, il y a une tension. Supposée tension. Fort, sur, sur, bah non, mais avéré, alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence peut-être sur ces avé, modulo. Alors. AVéré. Alors, effectivement, du coup, on s'est fait convoquer à raison en disant, bon, là, à un moment, vous êtes bien sympa, mais on ne peut pas anticiper, etc. Machin. On a compris. Et bien cette bien. année, on a effectivement euh, lancé un produit qui s'appelle le Priority, qui permet, si l'annonceur et son agence acceptent de payer plus cher, d'avoir une garantie de service, de prix. Euh, et d'accès au planning. Voilà, donc il y a un moment, on entend, on entend ce côté, euh, voilà, euh, je ne peux pas gérer. Donc on répond, mais la réponse, elle ne va pas plaire, puisque la réponse, pour garantir cela, il faut effectivement payer un certain prix. Donc, et prix qui aujourd'hui ne veut pas être payé parce que finalement, nous, on nous demande effectivement de la productivité en permanence pour pouvoir derrière financer la digitalisation et, et faire en sorte que les annonceurs puissent effectivement. Aller faire des campagnes à 49 euros sur Netflix. Bon, donc, si vous voulez, donc, donc le sujet, du coup, là, je n'amène pas de réponse et je n'amène pas de solution. Oui, justement, est essayons d'en trouver. je te renvoie Pour que le ça ballon. soit constructif, euh, grosso modo, euh, effectivement, par exemple, c'est vrai que Philippe, une question pour vous qui est en bout de chaîne. Est-ce que vous avez conscience de ces tensions qu'il peut y avoir entre, entre les, les agences et euh, les régies sur ce sujet de la productivité Parce que vous êtes évidemment un peu responsable, vu qu'en bout de chaîne. Vous avez cette exigence, cette exigence alors, alors, de productivité. Sur, de sur la chaîne alimentaire, Philippe, est le est premier. Attention. Là, là. Non, mais les annonceurs le sont, sont aussi responsables en partie euh, de cette tension qu'il y a sur le sujet de la productivité, de la rémunération <laughs> des agences. Tout vient de là aussi également. Je crois que c'est extrêmement simple en fait. La composante marketing et publicitaire dans l'ensemble du modèle économique d'une entreprise aujourd'hui n'est qu'un des composants. Donc, la direction marketing d'une marque est là, bien entendu, pour faire connaître les produits sur un marché, pour, pour voir promouvoir sa part de marché et ses volumes, quels que soient encore une fois les métiers. Hein, je, je représente plutôt l'union des marques qu'un vendeur automobile. Mais à un moment, cette direction marketing-là dépend d'une direction commerciale, d'une direction industrielle, d'une direction de financière, juridique, et qu'à un moment ou à un autre, ce n'est qu'une des composantes. Et aujourd'hui, on le voit parfaitement qu'on commence. Dans nos entreprises au sens large, c'est-à-dire le budget marketing, c'est X% du turnover. Point. Donc des brio avec ça. Ou le budget marketing ou le budget publicitaire doit répondre à tel critère d'efficacité par rapport à une efficacité industrielle ou de distribution. Donc oui, il y a des tensions partout, mais je peux vous affirmer aujourd'hui que les vendeurs de pots en verre pour chez Danone ou le, les, les vendeurs de pneumatiques chez, dans l'industrie automobile subissent les mêmes contraintes. Nous avons peut être vécu, globalement, dans le monde des médias français et européens, sur un certain pied d'aisance euh, au cours des précédentes décennies. Alors, je le dis avec facilité, ça fait 25 ans que je suis chez Citroën, j'ai bossé auparavant 15 ans en agence média. Donc, je connais plutôt bien cette période, même avant Sapin. Les, les vieux en parleront. Et euh, la crise de 2001, qui est arrivée, 2001-2002, il faut s'en souvenir, la crise de 2008-2009, dont on a parlé, sur l'automobile. Donc, les crises, on les a subies les unes après les autres, on les a contrôlées, on les a maîtrisées avec agilité, sous d'autres formes. Là, peut-être que le monde s'est un petit peu durci. Le monde du digital a apporté, enfin, l'univers du digital a apporté une forme peut-être de sauvagerie euh, qui a un petit peu cassé l'entre-soi que nous avions par le passé. Et aujourd'hui, les appels d'offres sont effectivement mondiaux. Alors je le dis aujourd'hui, Stellantis a mené un appel d'offres mondial qui a mené à, un part, à confier l'ensemble de ses achats d'espace à un partenaire unique et avec euh, des garanties de résultats, bien entendu. Donc oui, il y a une certaine violence peut-être dans les affaires, mais elle est juste... Euh normal dans le monde de l'industriel depuis toujours. Ce que vous disiez, c'est que vous avez la même exigence vis-à-vis -vis de vos agences que celle que vous avez vis-à-vis -vis des collaborateurs qui, qui sont en usine et qui eux aussi, du coup, pâtissent de ce contexte durci. Oui, eh ben, je pense qu'il y a un métier un petit peu difficile en ce moment, c'est la direction des achats dans le monde industriel. Je veux dire que quand vous regardez les composants d'une automobile ou les composants de n'importe quel produit manufacturé aujourd'hui en France, vous voyez bien que ce soit des tissus, des meubles, etc. Vous voyez bien que l'ensemble de la chaîne de valeur s'est durci et que la direction des achats doit maintenir un prix de vente à son client qui soit le plus performant possible. Et nous dans la direction marketing, dans la direction de la publicité, dans le service des médias et qui s'occupe aussi de productivité, nous avons notre, notre part à apporter la contribution de la, de la mise en valeur de cette, de, de cette économie globale. Il n'y a, a pas de faux semblant. J'ai l'impression de faire de la productivité depuis toujours vis-à-vis euh, de mes clients quand j'étais en agence. Et quand j'arrive dans un monde industriel, elle est normale. On a, entre guillemets, amélioré les. Performance média. Alors, je ne parle pas de productivité à l'époque. Euh, L'idée, c'est pas de faire baisser le coût du G.R.P. C'est d'obtenir plus pour la même valeur. C'est peut-être la productivité d'aujourd'hui. Mais comme l'offre aujourd'hui est extrêmement diversifiée, bah, il est logique qu'on mette en compétition en permanence l'ensemble de l'offre média. Alors, oui, c'est dur. Oui, mais c'est le seul moyen d'y arriver et de ne pas faire baisser globalement les budgets publicitaires de demain. Marie, vous avez une double casquette puisque vous gérez également la, la marque Europe 1 et que vous êtes annonceur à ce titre. Est-ce que justement vous partagez le, le constat de Philippe sur ce, sur ce point de, de ce nouveau paradigme à, à gérer Alors en fait, quand on achète de l'espace pour Europe 1, on n'a pas tout à fait le même point de négociation que quand on est lentiste, étonnamment. Oui, je bon, <laughs> voilà, déjà. Euh, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Philippe et puis après je répondrai bien évidemment à votre question. Moi, le sentiment que j'ai en tant que média. Euh installé euh, depuis euh, 70 ans, hein, voilà, voilà, euh, c'est qu'en fait, on a déjà tout donné. Donc, en même fait, on est là depuis très longtemps. Euh, on s'est beaucoup professionnalisé avec vous. Euh, on s'est beaucoup engagé pour garantir. Et l'horaire, etc., c'est que, comme on a déjà tout donné, ben, on n'a plus grand-chose à donner, si ce n'est de la productivité. Mais, et c'est ce côté anxiogène-là et puis sans fond qui fait qu'à un moment... On va devoir trouver des réflexes de défense qui sont assez naturels, parce que la conséquence directe de ça, c'est la dégradation de l'expérience de nos premiers consommateurs, que sont nos auditeurs et nos spectateurs. Donc c'est là où je pense qu'on arrive à un point clé et de non-retour qui fait qu'une fois qu'une marque bastonne 25 spots jour sur une station de radio, c'est fini, on ne peut pas aller au-delà, ce n'est pas raisonnable. Donc je, je pense qu'on en est là. Et donc c'est en ça qu'on bah, trouve des solutions, des parades, et qu'elles sont certainement perfectibles. Mais il y a de notre point de vue et de notre côté cette angoisse-là. Alors après, avec la casquette d'annonceur, moi ce que je constate, c'est le grand professionnalisme des partenaires euh, et agences et euh, médias avec lesquels je, je travaille. Je suis un peu plus dubitatif sur les plateformes, euh, avec deux expériences euh, récentes. Hein. Qui fait que quand euh, euh, Jean-Baptiste, qui avait les codes YouTube, se casse de la société et oublie de transmettre les codes, bah, c'est un mois avant de pouvoir euh, d d acheter une, une campagne parce qu'on ne trouve pas l'interlocuteur. En fait, la programmatique, l'automatisation, c'est super, mais je crois que c'est vraiment le, le meilleur des deux mondes qu'il faut qu'on arrive à concilier. C'est qu'à un moment, on a besoin d'avoir des personnes pour nous parler. Et moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai du mal à avoir des personnes et des personnes concernées. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce que je suis minuscule et que je ne suis pas Procteur et Gamble, etc. Mais cette expérience-là, à un moment où on magnifie beaucoup l'expérience digitale côté client parce que ça mesure tout, c'est super agile, tout est automatique, c'est merveilleux pour la vivre. Le côté, il y a, il y a en effet des, 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 des axes très intéressants, mais il y a toute une partie de l'expérience euh, transactionnelle qui, qui est quand même à, à, à perfectionner. Je Retiens ce que vous avez dit. On a déjà tout donné. Une question pour, pour Julien est-ce que vous pensez que, justement, désolé, je sais pour vous les questions un peu piège, mais parce qu'on va essayer de sortir avec des, <laughs> des insights actionnables en réalité. Je vais, que... je vais, je vais, je vais sortir du, du, du piège, Julien, en deux mots, en un, en un seul mot. On a oublié un petit mot, mais là c'est le mot efficacité. Effectivement, tout, 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 tout a été donné, mais je pense que aujourd'hui, nos dirigeants, au sens large, hein, ont besoin encore plus de preuves d'efficacité. Et là, aujourd'hui, on a un petit quelquefois des trous dans la raquette sur la preuve de l'efficacité du résultat commercial de nos, de nos campagnes médias. À un moment ou à un autre, il y a un lien qu'on n'arrive qu pas à faire. Alors peut-être que nous, le monde digital, par une quantité astronomique de données, euh, mais même des fois, un clic est une valeur, je ne, je ne sais pas, euh, enfin, je ne pense pas. Mais d'aujourd'hui, c'est clair qu'il y, y a un problème de, de repreuve d'efficacité pour enclencher des campagnes. En permanence, c'est un mot que j'entends, moi, au plus haut niveau de notre direction. Est-ce que ça marche vraiment Ça ne rajoute pas de la simplicité, du coup, si en plus il faut aller dans la granularité sur l'efficacité. Vous pas ah bah là. Sans, sans vouloir aller sur, parce qu'il y a d'autres tables rondes et que vous l'avez vu, là, on vient de traverser un peu les tables rondes en, en cinq minutes, donc je ne vais pas aborder ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est une preuve d'efficacité ou peut-être un sujet de métrix. Je pense qu'aujourd'hui, le mix marketing, depuis quelques années, a démontré une certaine efficacité. Après, c'est peut-être dans les métriques utilisées, et ça, ça sera le sujet de la, la table ronde numéro deux. Donc après, excuse-moi, mais du coup, la, la question était... Euh... Non, du coup, parce que Marie expliquait que les, les médias traditionnels avaient beaucoup donné au cours de ces dernières années, et, et du coup, on se demandait, c'est quoi, quoi la porte de sortie S'ils si si estiment qu'ils ont déjà beaucoup donné que, En fait, on a ce nouveau, nouvel échelon est qui est, est euh, les digitaux, 3. les acteurs du digital qui... Il qui... ouais, y, y a plein après... de sujets dans cette question. Euh, tout va dépendre un peu, c'est un peu l'enjeu de cette matinée, de quelles ambitions on se donne. Euh, soit il y a un sujet qui est un peu plus euh, profond et qui incitera l'ensemble des acteurs de cet écosystème, y compris annonceurs, à revoir un peu le modèle et à accepter un changement un peu radical dans le modèle. C'est un peu les discussions qui ont déjà été entamées dans les différentes instances du marché. Donc ça, c'est un sujet quand même assez macro, qui nécessitera effectivement, je pense, quelques workshops pour se mettre d'accord. Et puis après, on a des visions qui sont beaucoup plus... Actionnables. Donc, sur on un regard très pragmatique aussi. Et quand tu dis on a tout donné, effectivement, bon, je, enfin, les sujets, je pense, d'enjeux économiques, d'inventaire, de productivité, c'est un peu mon quotidien, effectivement. Euh, maintenant, il y a encore une fois des. des je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a des sujets aujourd'hui. On est là sur l'agilité. Euh, je suis d'accord avec toi, il y a un sujet d'inventaire. Enfin, avec vous, il y a un sujet d'inventaire. Euh, voilà. Mais typiquement, aujourd'hui, d'un mois sur l'autre, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ça va être très compliqué de savoir si le mois va être plein ou pas plein aujourd'hui, l'agilité, c'est aussi finalement être en capacité et avoir du temps pour saisir ces opportunités, nous en agence. Euh, donc je reviens en fait encore une fois sur par rapport aux enjeux que l'on a, euh, qui sont comment on redonne effectivement cette capacité d'analyse de, 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 pour saisir les opportunités, comment on, on donne la possibilité aux agences euh, d'aller aussi diversifier. Euh, chaque écosystème est en vertical aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet. Des initiatives, il y en a plein que ça soit côté Lagardère, TF1, je peux citer l'ensemble des médias et je trouve des initiatives qui sont hyper intéressantes. Sauf qu'elles sont verticales. Quand je disais simplifier la complexité, c'est ça aujourd'hui en agence. C'est qu'on a plein d'initiatives qui sont en vertical, l'une des réflexions, encore une fois, c'est comment on arrive à homogénéiser des actions marché qui peuvent être entre guillemets peut-être insignifiantes ou en tout cas peut-être pas clés parce qu'on n'est pas sur l'action majeure de l'achat et je trouve que l'exemple de MyManda ou etc. c'est un bon exemple, c'est comment on arrive sur certaines actions de la chaîne à trouver des solutions marché d'optimisation et de gain de temps. Et ça, je pense que on a le sujet de revoir le modèle. On a le sujet aussi sur certaines actions qui peuvent être améliorées et automatisées de manière à minimum par média et peut-être sur l'ensemble du marché. Je rebondis sur ce que tu dis, Julien, et moi, je suis complètement d'accord. Après. Anne, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il y a les commissions trading, il y a des workshops, à certains moments on est ensemble, etc. Mais c'est vrai, je parle, je pense, au nom de mes pères, de euh, parfois on n'est pas euh, clair euh, sur euh, l'alignement que vous avez. Je, je donne un exemple très concret. En 2018, ce n'était pas parfait, mais on arrive et on vient vous voir, certains, en disant, une se partie entre vous, en disant, voilà, on va passer l'achat TNT en net. Voilà, avec un système de prix dynamique, etc. Mais on crée une plateforme, euh, et comme ça, ça va permettre de dégager du temps pour faire autre chose. Alors, tout le monde a joué jeu, on a fait des groupes de travail, etc. Tout le monde a répondu présent, il n'y a pas de débat. Après, on n'a pas réussi à aller plus loin, parce que certains d'entre vous disaient, ah ben non, si je passe en net, je ne négocie plus. Si je ne négocie plus, bah, je ne fais pas mon métier. Mais finalement... Quel est aujourd'hui, effectivement, le métier d'une agence trading par rapport à une surproposition de l'offre, une démultiplication des points de contact Et effectivement, est-ce que finalement l'acte de négo en tant que tel, qui prend effectivement énormément de temps et sur lequel nous on répond aux complexités, etc., est-ce qu'il y a. Mais il faudrait qu'il y ait un consensus entre vous sur. Est-ce que vous êtes d'accord sur la définition de finalement le métier du trading dans les cinq prochaines années c'est quoi sa feuille de route À quoi vous êtes prêt, entre guillemets, à, à renoncer pour que on puisse se dire, bah, OK, ça, c'est moins prioritaire. Donc, du coup, nous, et que nous, on essaye, dans, dans la mesure de, du juridique, de ne pas être en entente, mais de trouver effectivement des solutions. Nous, en tout cas, et je parle au nom de, de mes pères, on est prêts, mais on souffre sincèrement d'un manque d'alignement sur... Qu'est-ce que vous mettez derrière simplification Qu'est-ce que vous mettez derrière automatisation Qu'est-ce que vous mettez derrière productivité etc. Et avant de te laisser la parole, il y a un deuxième point c'est effectivement, on c'est la table numéro 2, mais on a une échéance très courte. Dans 12 mois, il y a effectivement le changement de mesure et la capacité de faire déjà un vrai step en termes de rénovation de la manière d'acheter. Euh, la vidéo euh, en, en, en benchmarkant et en comparant les uns avec les autres et nous on a dit ok ok pour cette logique de benchmark et de comparaison donc ça répond effectivement à mon ton enjeu de dire bah, quelle est finalement la proposition de valeur la plus performante et nous on part gagnant parce que je rappelle le média télé est économique le média télé aujourd'hui est un média qui est extrêmement contributif etc et tout le monde le sait et c'est pour ça que voilà il euh, y en a encore quand même pas mal qui est investi et qu'on a une capacité de résilience donc ça il y a vraiment un sujet là-dessus. Et le troisième point, c'est arrêter de considérer notre proposition digitale en presse, en radio, en digital et en télévision comme une variable d'ajustement. Nous sommes des acteurs crédibles, nous sommes des acteurs puissants. Notre data, elle a tout autant de valeur que la data de Meta, de Amazon, etc. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on ne serait pas considérés à notre juste valeur. À partir du moment où effectivement il y aura ça, déjà on en arrivera peut-être plus à se dire, bah, on est motivé pour effectivement faire en sorte de monter des plateformes, d'améliorer de le software, etc., etc., de simplifier, parce qu'Anne a raison, je vois très bien, et, et je comprends ce qu'elle dit. Mais tant qu'on n'aura pas, vous n'aurez pas accepté ça tous, et vous ne serez pas alignés, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas sur que je renvoie le ballon, mais Sur l'alignement, Anne. Est-ce qu'il y a un besoin d'alignement des agences médias Alors, ouais. Je pense que les agences médias, c'est sûr qu'elles ne vont pas arrêter de négocier avec les régies. Ça c'est. Euh, le font plus voilà, vraiment après, sur le digital, en réalité. Euh, oui, c'est quoi une négo Mais une ce c'est pas après s'être euh, tapé, pardon, excusez-moi, du, du langage euh, des euh, calculettes Excel à 66 000 cellules. C'est là, là, où est le problème. Donc vous répondez, euh, vous répondez complexité et calculettes Excel contre inflation du média. On a déjà eu ce débat euh, euh, plein de fois. Euh, effectivement, maintenant, il faut qu'on s'aligne. Mais je pense qu'il faut, c'est très très important, qu'on s'aligne, euh, qu'on s'aligne avec les annonceurs, parce que j'imagine qu'ils ont aussi appris euh, certaines choses certaines choses ce matin, mais euh, voilà, il faut qu'on retrouve de la discussion, donc de la négociation euh, dans, euh, voilà, dans, nos, dans nos partenariats. Et aujourd'hui, c'est quand même très très mécanique. Je pense que personne ici ne veut une automatisation à tout crin euh, des métiers ah non, mais des mais Automatisation, ça, sûr. je ne veux pas dire euh, perte de valeur. – J'ai un rôle toi. assez ingrat. – On va poursuivre la discussion vous à, à, hors de scène, Sylvia. Désolé, effectivement, à effectivement là, on a débordé. – Dans une heure ou Pour faire Merci beaucoup.